retrouve encore et toujours en présence de C'est moi Sing Off qui régale. Petite vidéo aparté en ce jour, en ce lieu, en cette date qui régale. Vidéo qui n'a rien à voir avec le Sim Racing ou même les bagnoles, mais qui nous intéresse quand même parce qu'il faut savoir que il y a de cela le 13 février 2024, on l'attendait déjà depuis 2023. Crystal Dynamics nous a offert les fameux remastered de Tomb Raider 1, 2 et 3 avec tous les DLC, bref, tout le packaging complet qu'on s'est fait un plaisir de refaire, de jouer. Kerrigan, franchement, c'était une dinguerie. Je pense que d'ailleurs, je suis pas le seul à l'avoir kiffé parce que les notes ont été là et bien présentes avec un mode photo, bref, terrible. Comme on a pu le voir dans mes quelques précédentes vidéos sur la chaîne. Et aujourd'hui, du coup, le petit cadeau, la grande nouvelle. Donc on l'attendait quand même avec impatience, on espérait du moins. Et aujourd'hui, il est sorti la nouvelle bande-annonce, donc en fait de découverte, qu'on va aller se regarder ensemble tout de suite. Et maintenant, l'équipe, c'est parti. Time to put things right. Got a feeling this isn't quite what it seems. Give a girl a break. Et voilà l'équipe, la petite surprise, les gars. La bande-annonce officielle, ça y est, ils l'ont fait, du remaster du 4, 5 et 6e volet de Tomb Raider Kerrigan, donc comme les trois premiers qu'ils ont remaster, en version remaster et en version originale qu'on peut jouer dans les deux modes, les trois chapitres suivants, donc c'est plutôt sympa, ça a l'air, franchement ça a l'air grave kiffant. Puis ce que je trouve, ce qui est bien, c'est que après, ça, je l'avoue, je me suis pas renseigné sur les ratios de personnes, de tranches d'âge qui jouent, mais je pense en tout cas que ça peut être bien pour les nouveaux jeunes, les gars ou quoi, qui du coup étaient trop petits, tu vois, les gens qui étaient après 2000 et tout, qui étaient trop petits pour faire les Tomb Raider originaux comme ça. De pouvoir les de permettre de les refaire aujourd'hui avec une qualité visuelle même pour moi qui les ai fait à l'époque, qui là les refait en soi, c'est un bonheur et c'est, y a une meilleure qualité graphique, il y a une fluidité, il y a les changements de touches, il y a des beaux modes photo, on redécouvre limite un peu le jeu, c'est ça qui est grave stylé. Donc moi je suis grave content, je sais pas vous, mais moi je l'attends avec impatience l'équipe, donc le 14 février 2025, donc un an après le remaster des trois premiers, on passe aux trois suivants. Enfin voilà l'équipe, petite annonce sympathique pour ma part, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager au max,